C'est moi qui l'avais proposé. J'avais dit, engageons des compétitions avec les Américains. Le Japon contre les États-Unis. C'était un pari absolument stupide. Si les choses continuent sur leur lancée, j'ignore si je retournerai au Japon en vie ou les pieds devant. Tout a commencé parce que j'ai encore voulu me distinguer. J'aurais vraiment dû fermer ma grande gueule. J'arriverai jamais à faire ça, c'est beaucoup trop dur. Qu'est-ce que ça veut dire, j'y arriverai pas? Il faut y arriver, en quoi c'est tout? Je peux pas faire ça avec cette voiture-là. Allez, pas l'histoire, tu prends cette voiture. Non, je refuse de prendre cette voiture. C'était pas inscrit dans le contrat. Oh, que si c'était inscrit dans ton contrat. Tu n'avais qu'à le lire. Non, mais dis-moi, tu déconnes, non, je déconne pas du tout, c'était dans ton contrat. C'est de course qu'il s'agit. Et moi, je te dis que c'est pas vrai. Oui, bah, et moi, je sais lire. Bon, ça va suffire tous ces boniments. Est-ce que t'es pro, oui ou non? Eh bien sûr que je suis pro. Dans ce cas, grimpe dans ta voiture et conduis. Allez, fous-moi. Écoutez, non, t'en fais pas, on va trouver quelqu'un. Mais vous avez les yeux en face des yeux. Il y en a marre, on va te foutre un poisson au cul. J'aurais bien de l'écouter parce qu'il ne plaisante pas. Il n'est pas stipulé dans mon contrat que je passe au travers de fût d'essence plein. Ça nous fait chier. Écoutez-moi, je refuse de conduire, je rentre chez moi et tout de suite. C'est pas vrai qu'il se tire. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Je m'appelle Otomo. Je suis pilote comme vous, je conduis des voitures. Vous êtes cascadeur, alors essayez de m'expliquer. Entre nous, ce qu'il vous demande, c'est pas si difficile. Vous devriez le faire. Vous refusez parce que vous avez peur? Vous cherchez la bagarre? Allez, laissez, je vais le faire. Pour les Japonais, ça fait partie de leur esprit, de leur tradition. Le samouraï, quoi. Et les Japonais veulent toujours prouver quelque chose, vous êtes tous dingues. Dingo, moi? Alors comme ça, vous nous mettez tous dans le même sac. Les Américains savent ce que c'est que le courage, eux. Il y a une différence entre le courage et une témérité gratuite. Quand je pense à la mer calmée, je reste japonais éternellement. Ça vous rappelle quelque chose? Thank you.
à fait par hasard que nous fûmes engagés dans la compétition américaine de stock car. C'était la première fois que le Japon y participait. Tous les sept, nous partîmes avec Cap, notre entraîneur. Moi, j'étais super excité. J'avais l'impression que nous étions les sept samouraïs de l'Ouest. C'est vrai, on était bien en Amérique. Et Cap avait commencé à nous entraîner. Et il ne nous faisait aucun cadeau. On avait cru qu'on allait faire un peu de tourisme. Alors imaginez un peu la tête qu'on lui fait quand on s'est vu embringuer à l'entraînement dès le matin de notre arrivée. Entre nous, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Et j'aurais dû réfléchir avant de m'engager. On est ravis d'être à Los Angeles. Je comprends, Lisbonne. Et c'est une ville très agréable. Otomo. Bonjour, capitaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été surpris. On ne s'attendait pas à ça. Entrer en compétition avec des équipes américaines. Je ne sais pas comment on va faire, mais il faut absolument qu'on soit à la hauteur. Oui, exactement. Enfin, on fera ce qu'on pourra. Officielle des équipes. Où es-tu reçu, votre chef d'équipe? Enchantée, c'est moi qui reçu. Enchantée. Je suis venue pour discuter des modalités de la compétition entre l'équipe américaine et l'équipe japonaise. Si vous voulez bien me suivre. D'accord. Je ne vois pas l'équipe américaine. Où sont-ils passés? Ils ont déjà commencé l'entraînement. Hé, Otomo, tu ne trouves pas qu'elle ressemble à ta sœur? Non, elle ressemble pas à ma sœur. Je crois pas que t'exagères. Tu sais bien qu'il n'arrive pas à oublier l'accident de sa sœur. Faire des cascades en voiture, c'était l'enfance de l'art pour nous. Mais tenir notre volant du côté gauche, c'était plus dur. Aussi, notre premier objectif fut-il de nous habituer aux voitures américaines. Viens voir. Est-ce que tu crois que l'angle est bon? Absolument certain. Il y aurait peut-être un petit défaut à cet endroit-là, mais ne vous inquiétez pas, les gars, on va remédier à tout ça. Thank you.
Comment allez-vous, capitaine? Très bien, merci. Est-ce que tout se passe bien? Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses du moteur? Oh, t'en fais pas, ça ira. Capitaine, mais qu'est-ce qu'ils foutent, les Américains? Peut-être bien qu'ils s'entraînent en secret. Je crois bien que l'équipe américaine s'entraîne sur la piste de Riverside. Ils ne veulent pas qu'on les voie. Et j'ignore comment ils procèdent. Oh, c'est pas grave. Après tout, ça ne nous intéresse pas. Seul le résultat compte. Après tout, t'as raison. Allez, les gars, on va y arriver, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Chouette. Ok, le circuit qu'on a fait jusque-là était meilleur. Fais gaffe quand t'entames tes virages, hein. Il faut les prendre un peu plus serrés, sinon tu vas te tuer. On commençait à se débrouiller, et pas mal du tout. Mais on ignorait tout de l'activité et du lieu d'entraînement des Américains. Il était évident qu'ils s'entraînaient en secret quelque part. Mais nous savions bien qu'ils étaient soumis à un entraînement intensif et pénible. Avec à peu de choses près, les mêmes horaires que nous. Bien sûr, mais dans ce cas-là, tu prends le virage par la droite, c'est bon, obligatoire. Alors, regarde, ce qu'on te dit. Voyons, qu'on conduise à droite ou à gauche, ça ne change rien. Tout est fonction du poids du corps. Ils vont nous baiser au deuxième virage. Je suis pas d'accord, c'est au troisième. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va, merci, on s'en sort. T'aurais dû entamer ton virage plus vite. Changeons un peu de sujet, les gars. Demain, il y a une soirée, bah j'ai très envie d'y aller. Si vous voulez mon avis, les gars, tâchez de ne pas trop boire. Dis-moi la course, c'est pas demain. Faire attention. Ah, ça va, excuse-moi. Et c'est ta faute. Mais non, non, pas du tout. J'ai du jeu dans ma direction et j'en ai plus le contrôle. Bon, en attendant, il va falloir la faire régler. Tout pris. Bon, alors maintenant, fais gaffe. En plus, j'ai mon changement de vitesse et qui déconne. Et pour couronner le tout, les voitures américaines sont différentes des nôtres. Ouais. Plus l'entraînement devenait intensif et plus les avaries mécaniques se succédaient. On n'avait plus le temps de souffler. Des pneus neufs ont éclaté à la reprise. Avant même qu'on se soit engagé sur la rampe du toboggan. Ça n'a pas suffi. Les moteurs se sont mis de la partie, et ils se sont mis à déconner eux aussi. Il m'aurait fallu quatre mains pour arriver à bout de tout ce boulot.
boire quelque chose? Qu'est-ce qui ne va pas? Otomo vous a vu la première fois. Il a eu l'impression de voir sa sœur aînée. Elle était magnifique. Et vous êtes son sosie. Mais enfin, moi, je croyais qu'Otomo était beaucoup plus âgé que moi. Alors, je dois paraître bien vieille. C'est épouvantable. Mais dans le souvenir d'Otomo, sa sœur restera éternellement jeune. Que voulez-vous dire? Elle est morte il y a 8 ans. Oh, je crois que je commence à comprendre. Il a fait une fixation sur le passé. C'est arrivé ce premier jour tant attendu. Tous les gars de l'équipe étaient nerveux, à commencer par moi. J'en avais des frissons dans le dos. Ils étaient tous là. Les Américains alignés devant nous. Et comme il fallait s'y attendre, ils étaient superbement baraqués. Mais j'avais pas le temps de m'occuper de tout ça. Parce qu'en l'occurrence, c'était la technique et le self-control qui primaient. Mais j'avais pas l'intention de me laisser impressionner. On a commencé par l'épreuve numéro 8, c'est-à-dire course de cross. J'ai pas compris ni le choix des Américains, ni celui de Cap. Enfin, il fallait bien plonger. Dans ce genre d'épreuve, ce qui compte surtout, c'est le travail en équipe. Il prime de loin sur les prouesses individuelles. Ils avaient sûrement eu raison dans la foi. Mais ça n'était pas l'épreuve dans laquelle nous excellions. Qu'est-ce que l'épreuve numéro 8? Le chef d'équipe doit entamer avec ses gars une figure en forme de 8, à la vitesse la plus grande possible. Et chaque membre de l'équipe se doit de tout faire et éventuellement de se sacrifier pour que son chef d'équipe gagne.
Allez, dépêchez-vous, les gars. Mais faites attention, hein. Ça va? On vérifie bien la direction. Venez par là. Oh, les gros. C'est la vitesse. Faut absolument accélérer. Sinon, on ne gagnera pas. Les styles d'épreuves sont très différents. Ils vont de la vitesse à l'endurance, aux cascades. Ils demandent en plus de tout cela une précision absolue. L'équipe adverse garde ses secrets jusqu'au dernier moment. C'est alors que nous dévoilons notre propre technique. Pour essayer de gagner quelques points. Chaque compétition est notée sur 5. Celui qui a le plus de points est le gagnant, bien sûr. Les deux capitaines se sont consultés et ont décidé de mettre en lice les deux meilleurs. Les deux premiers, disons. En l'occurrence, chez nous, le choix est tombé sur moi. Pour commencer, je vais devoir faire un saut et passer au-dessus de trois voitures entassées les unes sur les autres. D'accord. Bon, alors j'accélère plus loin. Mmh. Allez, ça devrait gazer. Ouais. Salut, Ted. Salut. C'est extrêmement dangereux, n'est-ce pas? Alors je t'en prie, sois prudent. La moindre faute peut être fatale. Mais t'en fais pas, Linda, voyons. Je suis un pro, je sais ce que je fais. Le champion de l'équipe américaine était un type formidable. Spécialisé dans l'épreuve de la dynamite. Je m'explique. Il s'agit de conduire la voiture avec une charge de dynamite. La charge de TNT étant placé dans un récipient. Il faut conduire la voiture à grande vitesse, en effectuant des embardées de droite à gauche. Quand vous sentez que votre direction est bien équilibrée, vous appuyez sur le bouton qui va faire exploser la dynamite. J'ai entendu dire que c'était une des spécialités de l'école américaine. Essaye autant que possible de conserver la vitesse. À 120, ok. Ah, pas de problème. Bon, rappelle-toi bien que c'est toi qui vas évaluer l'angle. Ok. Attention. Faut toujours que je fasse gaffe. Allez, à l'angle. Tu iras bien, tu iras. Attends, je prends ta casquette. Mets ton casque, hein. Prends pas de risques inutiles. Fais comme d'habitude, c'était parfait. Hein. Et pousse tout plan, même. Allez, va, montre-leur un peu ce dont tu es capable. Ok, prêt? Bonne chance, hein. Pas mal du tout. Soixante-quinze. Oui, c'est ça, 75 pieds. 75 pieds, c'est extra. Maintenant, on arrive au grand saut. Chaque voiture doit parcourir la même rampe et atterrir le plus loin possible. En dépit de la différence des modèles. Tout le truc est dans l'équilibrage de son véhicule. Et la clé du succès, c'est le temps exact pendant lequel la voiture décolle de la rampe.
moins la voiture est équilibrée, plus la distance est courte. Ah, 71 pieds, oui, mais c'est excellent. Absolument désolée pour vous. Tenez, voilà le programme de demain. Je l'ai déjà distribué aux autres. Allez, sortez, laissez-moi tranquille. Écoutez, essayez d'oublier un petit peu votre sœur. Il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui. Emmenez-moi. Alors, t'es rapide avec les nanas. Oh, on t'a rien demandé, fiche le camp. Prie, Otomo, laissez tomber. Ah.
foot. Allez, viens. Cinglé, regarde ce qu'il est en train de faire. Disons que ce gars a peur de rien. Quelques jours de vacances. Et un jour, alors que nous voulions changer d'endroit, on allait doubler un énorme camion lorsqu'un de mes gars, Oeda, décida de nous époustoufler. Regardez, il disparaît sous le camion et il réapparaît. Ah, croyez-moi, il y est bien arrivé. Linda et les Américains n'en revenaient pas.
Je ne tenais compte ni des inquiétudes de Linda, ni des blessures que je pouvais me faire. Faites ton mieux. Telle était ma devise. Plus à gauche. Ouais. Avance encore un peu. Il faut que je gagne. Je ne peux pas me permettre de perdre. Tous ces événements me faisaient vivre très intensément. Bien que je sente le regard inquiet de Linda, la seule chose qui comptait pour moi, c'était mon équipe. Et il fallait que je fasse tout mon possible pour gagner. Une ambulance, vite! Il a dû en prendre un sacré coup. Il a pas la chance. Okay, we got the action. Okay, okay. Right.
Je crois pas que je peux faire mieux. Tu cherches des compliments? Tu te souviens la semaine dernière? J'ai encore rien vu, le plus dur reste à faire. Après l'éblouissante démonstration des Américains, c'était à notre chef d'équipe de faire ses preuves. Notre capitaine allait tenter le record du monde de saut et d'atterrissage. Sauté par-dessus 20 voitures, le record du monde était d'environ 45 mètres. Mais cette fois, notre capitaine allait tenter de franchir la rampe et d'effectuer un saut de 60 mètres sans aucune voiture en dessous. Moi, j'étais capable de sauter par-dessus 13 voitures, pas une de plus. Et je m'écrasais sur terre, je ne sais comment. Ça promettait du suspense. C'est à se demander si les voitures sont encore des voitures. Ou bien si elles ne sont pas devenues des avions. Est-ce qu'il battrait le record du monde? L'équipe américaine était anxieuse de savoir s'il y arriverait. Tout le monde retenait son souffle. À commencer par moi.
Imaginez un peu la scène. Un type sort de la voiture, avec un masque sur le visage, et dont les vêtements ont été enduits d'huile. Je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Mais lorsqu'il est sorti de la voiture, c'était une véritable torche vivante. Le secret de sa réussite, c'était un petit réservoir à oxygène placé sous les vêtements et relié à la bouche par un tuyau. C'est ce qu'on pouvait qualifier de cascade originale. J'imagine la sensation qu'il devait avoir au contact du feu. Même bien protégé, puisque moi-même, j'avais déjà été brûlé. Cette torche vivante de l'équipe américaine était gravement brûlée aux bras et aux jambes. Et il lui faudra au moins 10 jours d'hôpital pour s'en remettre. Pourtant, toutes les mesures de sécurité avaient été suivies. Mais par amour du risque, ce type allait se retrouver à l'hôpital. Fais pas, tout se passera bien. On va les rattraper, nos points de retard. Tu verras, t'es trop bileux, mon vieux Ted. C'est OK, tout est en place. Les gars, vous savez que je compte sur vous. Il va falloir compter avec nous, ce coup-là. Tu vois, cette fois-ci, il s'agit de rouler sur 2 roues après la rampe. Bon, j'espère qu'on va battre leur corps, non? Allez, sois prudent. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée et ne prends pas de risques inutiles. Bonne chance. Ouais. Il faut que tu baisses ce type, hein? Dac, t'en fais pas, je vais gagner ce coup-là. Allez, vas-y. Bonne chance, hein? Tu verras, je te parie que c'est moi qui gagne. À cause d'une erreur de calcul de la vitesse et de la pente de la rampe, l'équipe américaine rata l'épreuve du T-Bone Crash. C'était à mon tour maintenant. Il fallait absolument que je gagne. Allez, Otomo, mets la gomme. C'est le moment, hein. Je le sais. C'est qui tout double, mais je vais y arriver.
Tout dépendait de moi pour faire basculer le score en notre faveur. J'avoue que ça m'excitait au plus haut point. Et j'avoue aussi que j'étais à cet instant prêt à mourir. Malgré le regard implorant de Linda. On n'a plus rien à se dire. C'est drôle de devoir t'occuper de cascades automobiles alors que tu détestes ce milieu. C'est mon problème et de toute façon, ça te regarde pas. Tu m'as fait venir juste pour me dire ça. Et Lily pense la même chose. Pourquoi tu viens pas la voir? Si on est brouillé, c'est pas ta faute et tu le sais bien. De toute façon, tout ça, c'est du passé, n'en parlons plus. Du passé? Tu as bien changé. Moi qui croyais que tu ne t'intéressais qu'au futur. Non, je n'ai aucun avenir. Et aucun passé. Ce que je fais là, c'est juste pour vivre, tu comprends? Alors pourquoi tu m'as appelé?
Et qu'est-ce que tu as à me dire? Mais pourquoi tu t'intéresses autant à Otomo alors que tu te fous de ton passé, de ton avenir? Tu es jaloux? Pas du tout. Otomo va rentrer au Japon après la compétition, de toute façon. Et en plus de ça, il n'est ni japonais, ni américain. Ni japonais, ni américain. Alors toi, qu'est-ce que tu es donc? Tu m'as toujours dit que tu étais japonais, mais tu n'es rien du tout. Depuis que j'ai rencontré Otomo, je sais enfin ce que c'est qu'un vrai homme. Ce n'est pas comme toi. En tout cas, il vaut mieux que tu ne le revoies plus. Je ferai ce que je veux. Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire, n'est-ce pas? Et si j'ai envie de le revoir, eh ben, je le reverrai. Tu sais, après tout, ce que je t'en dis, moi, c'est par amitié. Ça tombe bien. Tu as raison, Don. Je crois que je vais m'occuper du rallye classique de Pebble Beach. Ça commence demain. Je suis sûre qu'après, je me sentirai beaucoup mieux. Vous devriez y aller ensemble, Tomo et toi. Me demanda de l'accompagner à Pebble Beach. Je n'avais jamais autant vu de voiture ancienne. Ah, ça me changeait. Ces voitures dataient du début du siècle. On aurait dit qu'elles étaient neuves et en parfait état de marche. En compétition entre elles.
Après une période de travail très dure, Linda et moi prîmes enfin quelques jours de vacances. Nous restâmes à Pebble Beach pour assister aux courses. Jamais de ma vie je n'ai passé deux jours aussi merveilleux. Thank you.
fait tellement longtemps que je ne t'ai vu, mais qu'est-ce que tu fais là? Je te cherchais. J'étais sûre de te trouver là, je connais ton goût pour les vieilles voitures. Tu as l'air en forme, toujours aussi jolie. Oh non, Lily, tu sais bien que c'est toi la plus belle. Linda, tu m'avais promis de ne plus jamais revoir Howard. Alors, pourquoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai toujours tenu ma promesse. Oui, mais ça ne t'a pas empêché de le rencontrer en Ontario. Oh, rencontrer? Non. Howard m'avait appelé. Il voulait me parler. Maintenant, tout est fini. D'accord, mais je ne veux plus que tu t'occupes de nous. M'occuper de ta vie? Mais pourquoi je ferais une chose comme ça? Plus rien ne me lie au passé. Mais dans l'avenir, oh, j'espère que la vie me sera plus faste et plus agréable. Plus agréable? Ah, t'es amoureuse, toi, c'est sûr. C'est formidable, tu vois, toi qui désespérais tant. Lily, je suis désolée, mais il faut que je m'en aille. Si tu veux bien m'excuser. Bonne chance, Linda. Tonneau, c'est une épreuve sans explosif fixé au véhicule. Mais cette fois-ci, ils avaient créé une nouvelle règle. Il s'agissait de faire deux tonneaux en utilisant la même voiture.
Après la démonstration de l'équipe japonaise de jour, l'équipe américaine proposa autre chose. La même cascade, mais de nuit, avec un mur de feu. Nous étions arrivés à un tel stade que la différence de points résidait dans l'originalité des idées de chaque équipe. Les épreuves étaient terminées. Nous avions perdu. La différence était minime. Mais nous avions donné tous tant d'énergie qu'il n'y avait aucun regret à avoir. Cette expérience avait été extrêmement bénéfique pour l'équipe japonaise et risquait de les faire énormément progresser dans l'avenir. Mais en ce qui me concernait, je n'allais pas en rester là. Laissez-moi vous raconter ce que fit notre capitaine. Otomo, est-ce que vraiment tu comptes retourner bientôt au Japon? Oh, je t'en prie, ne pars pas. Pourquoi? Parce que je t'aime, Otomo. Je dois rentrer. Il le faut. Oh, mais pourquoi? Parce que... toute ma carrière en dépend. Je t'aime, Linda. Mais il faut que je pense à moi d'abord. Je recommencerai une nouvelle vie. Et je n'ai pas le droit de te faire prendre des risques. Mais tu verras, tout ira bien pour toi. Tu as toute la vie devant toi. Cap nous avait parlé de son projet depuis longtemps. Et après la compétition américaine, il décida de le mettre à exécution, quel qu'en soit le coût. Il nous a dit, je veux battre le record mondial du saut dans la mer, qui est de 77 mètres. À vrai dire, nous étions étonnés. Mais pas tant que ça. Ce projet germait dans sa tête depuis qu'il avait quitté le Japon. Et il était prêt. Thank you.
Comment l'avait-il appris? On ne le saura jamais. Bien que les Américains soient des gens industrieux, ce jour-là, ils avaient dû délaisser leurs activités pour assister à l'extraordinaire prestation de cap. Le plus long saut dans la mer sur Porsche. Bien que Cap soit psychologiquement prêt, on le sentait tendu. Parce qu'il est plus facile de le dire que de le faire. Ce n'est pas si simple. Il y a des tas de calculs compliqués qui entrent en ligne de compte. La vitesse, le poids, la résistance de l'air, les conditions atmosphériques. Et en plus, il faut avoir des tripes pour faire ça. Avouer que plus l'instant fatidique approchait, plus le public était prêt. C'était le point de non-retour, si vous voulez. Quitte ou double. Distance, le record du monde? C'est 77 mètres. Ueda, tu as bien tout vérifié? Oui, oui, n'en fais pas plus. Everybody is not with a sound copy. Back to the other fire truck. Il était évident que Cap était prêt à battre le record du monde. Et pour ça, il était prêt à mourir. Ça, c'était un homme digne de ce nom. Dans la plus pure tradition japonaise. Je comprenais très bien l'état d'esprit de mon capitaine. Et moi aussi, j'avais envie de défier la mort. Et à ce moment-là, j'aurais voulu être à sa place, pour tenter le diable, et pour jouer avec la mort. Ok, vous pouvez fixer la porte. La ceinture, ça va? Ah oui, t'inquiète pas.
is gone and I face